Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Civilization 6. Lors du dernier épisode, nous avons commencé à découvrir le nouveau continent par ici avec notre éclaireur. Et on a rencontré l'Empire arabe et l'Empire russe. Aujourd'hui, on va commencer à se placer et à se diriger vers Delhi. Et Gandhi qui nous a déjà dénoncé, donc je pense qu'il va pas tarder à nous déclarer la guerre. Donc on va se mettre en ordre de bataille pour rejoindre et l'attaquer de peu par ici et détruire à nouveau ce joueur. Peut-être on lui laissera Agra, une petite ville pas trop développée, et prendra peut-être le contrôle de tout le reste. On verra. J'ai un bâtisseur barbare par là, d'accord, il faudra faire attention quand même. Allez, on avance du coup. Aïe, aïe, aïe. Alors ça m'embête un petit peu, ces barbares. Qu'est-ce que nous embêter un peu? Alors, on va commencer par des productions. Rome, on a fini. C'est ce qu'on était en train de faire. Je sais plus trop ce qu'on était en train de faire d'ailleurs. Ah si, les remparts. Ah, j'ai pas envie de faire les termes parce que ça va m'enlever une... une ferme. On va essayer de continuer de gagner de l'argent avec de la banque. Avec la banque. Alors, sur Adab. Une zone industrielle qui va nous amener de la production. Peut-être se faire un campus éventuellement. Il y a celle-ci là, même si ça m'enlève une forêt tropicale, c'est pas trop grave ça. On va acheter cette case là. Et on va faire un ici. Alors nous, on va essayer de fuir un petit peu contre lui là. Ça va être compliqué parce que je suis dans des endroits assez lents. On va se retrancher ce tour-ci. Toi, tu vas remonter par ici. Toi, tu vas détruire. Voilà. Ça, on n'en parle plus. On n'est pas digne de confiance. Ah mince, j'ai perdu mon éclaireur. Ah. Bon, va falloir refaire un éclaireur du coup. Eh bah sur Antium. Deux tours, ça va aller vite. Sur Kyoto ici, qu'est-ce que ça nous emmène, ça, de la foi, de la culture? Donc on va... c'est pas trop important pour nous. Éventuellement peut-être la bibliothèque pour essayer de continuer d'accélérer sur les sciences. Dans une économie de marché, cependant, l'individu a parfois la possibilité d'échapper au pouvoir de l'État. Or plus 4 sur toutes les routes commerciales, ouais, pauvre, c'est pas top. Alors on peut choisir un nouveau dogme et continuer d'avancer. J'ai fait ça, déclarer la guerre via un casus belli. Il me semblait que je l'avais fait.
Moins 50% si l'unité est blessée. On va peut-être prendre lui, ça peut être intéressant. 19 tours, c'est long par contre. Non, je vais prendre plutôt l'exploration d'abord. Alors, sur Antium, c'est bon, je dois avoir mon nouvel éclaireur. Place de théâtre, ça met de la culture. J'ai pas trop de place intéressante pour mettre un campus. On va faire l'armurerie. Alors, j'ai mon éclaireur ici, du coup. Je vais mettre 12 tours à arriver là. C'est Carthage qu'obtient. Toutes les plus belles histoires d'amour s'épanouissent en plein siège. Ok, on va avoir de nouvelles remparts. Sur Kirch. On va continuer d'avoir de la science. Ça me permet d'accélérer sur les différentes choses. Petra, ça pourrait être pas mal à Rome, éventuellement, plus tard. Ou un campement. J'entends regarder où est-ce qu'on peut le mettre. Là. Alors, ça y est, j'ai... On va faire une mise sur écoute. Notre espion est arrivé, ça très bien. Allez, on va commencer à faire avancer un peu les unités du coup. Des chevaux ici aussi. Où sont mes légions? Un petit peu de temps arrivé. Prochain tour, on ira détruire eux avant de monter avec les autres.
Ils vont plutôt aller prendre position ici. Ok, là c'est Buenos Aires qui envoie du monde. Ok, il a bougé le bâtisseur. Malheureusement. Alors, sur Setia ici. On peut mettre des thermes ici. Du bois, ouais. Ah mince, je peux l'améliorer elle. Retour arrière, toi tu étais amélioré avant la guerre. J'ai pas fait gaffe que je pouvais améliorer mon lancier. Ah, tu passes pas par-dessus la rivière toi, d'accord. Mince, non, pas là, sinon elle pourra pas passer là. Ok. Très bien ça. Alors on est où ici à Nagano? Sur Yokohama, on peut peut-être faire un campement. Et sur Kyoto. On peut faire la grande bibliothèque. Pour essayer de gagner beaucoup de science. La plume n'est peut-être pas plus puissante que l'épée, mais la presse typographique est sans doute plus lourde que l'engin de siège. Une poignée de mots peut tout changer. Allez, on avance du coup vers la science militaire. Ici, on va faire progresser notre unité. Alors, sur Ostia. C'est interdit, ça ne sert pas à grand-chose. Construire des routes, des forts, des pistes d'atterrissage, des silos de missiles, d'accord.
faire des remparts. Encore. Le jour où nous cesserons toute exploration sera le jour où nous accepterons de vivre dans un monde stagnant, vide de toute curiosité et de rêve. Alors, j'ai à nouveau J'ai la République maritime qui est débloquée, je crois. Il faudrait que j'avance vers la monarchie pour avoir beaucoup plus de militaires. Monarchie. C'est encore plus loin, a priori. L'archéologue. On va faire le génie civil. Ah pardon, j'ai pas vu. Une doctrine qui est disparue. Ok, toi du coup, t'as vu que t'as évolué, tu vas pouvoir monter également. Waouh, il y en a un autre de l'autre côté encore. Je vais reperdre l'éclaireur. M'embête un petit peu. Ok, ça embête, je peux pas passer là par là. Mise sur écoute avec succès. Il n'a pas été repéré, très bien. Du coup, ça veut dire que j'en sais plus sur lui. Ne déclare jamais la guerre sans raison valable ou provocation. Il cherche à s'allier aux civilisations cherchant à maintenir les paix, déteste les Bélicis, c'est pour ça qu'il m'aime pas. Il y a encore une intention cachée. Alors, on est à Rome. À Rome, je peux pas faire la Petra par contre. Aucun emplacement adapté, dommage. Je peux faire quelque chose ici par contre, en achetant cette case là. Et ça me donnerait quoi, le Templo Mayor? Loisir plus 1. Non, pas intéressant pour nous, on fait pas du loisir.
Zone industrielle, par contre, ça pourrait être intéressant. Sur Antium. Là, je pourrais faire la Petra, mais on va du coup refaire un nouvel éclaireur. Je vais essayer de partir par l'autre côté, tant pis. Ça sera peut-être plus simple. Gott grüße euch, Geselle. Ich bin Kaiser Friedrich und herrsche über deutsche und welsche Lande, über Burgund und manche mehr. Ich weiß wohl, dass auch ihr kundgeherrschen mit rechter Gewalt. Hop, okay. L'Empire allemand, du coup, qui a été découvert. Mes troupes ne font que passer. Alors, on a les Allemands. On va lui envoyer une ambassade permanente. Il est en dénonciation contre l'Empire arabe et il s'entend moyennement avec les Russes. Aussi les civilisations sans lien avec les cités-états. Ok, donc il va pas m'aimer. Parce que je suis suzerain d'une cité-état. Alors, Antium, on disait... un nouvel éclaireur. Non, il y en a rien de fabriqué là. Pardon. Je vais faire la Petra ici. Alors du coup, l'éclaireur. On va essayer de partir de ce côté-ci cette fois. On va déjà mettre 13 tours à envoyer par ici. Un émissaire en plus. Continue d'en envoyer sur Genève. Il me donne de l'argent, libre passage et tout pour un tabac. Ouais, on va accepter. Qu'est-ce qu'il me donne lui? Un de coton. Et il veut un gisp et un chocolat à la place. D'accord, non, je veux pas de cet accord là par contre. Bon, pour l'instant je m'entends bien avec... Ok, on est passé personne, à l'ère industrielle. Ou tout du moins personne de sensé ne se lance dans une guerre sans d'abord avoir une idée précise de l'objectif qu'il compte atteindre et de la façon dont il compte la mener. Ah, ça veut dire que je peux faire remonter mes chevaux d'un cran. Donc je vais retourner rapidement. Comme ça va assez vite. Pour les faire évoluer. Alors maintenant qu'on a eu cette nouvelle unité, tu vois, ça va peur. C'est vrai que j'ai pas trop de bateaux en fait. On pourrait peut-être en 5 tours avoir ceci. Ah, il faut que je fasse la balistique avant. D'accord, bon ça me va. Comme ça permettra de d'avoir un ranger plutôt qu'un explorateur. Et peut-être que ce sera plus simple pour moi. Si jamais on se faisait tuer à nouveau. Ici, bon vous retranchez-vous dans la ville, ce sera très bien.
Alors, une production ici. Un bâtisseur, ça fait longtemps, j'ai peut-être des choses à améliorer par là. Emplacement économique plus 1. Bien, ça a évolué ici, ces chevaux là. La population de votre empire est vraiment impressionnante, d'accord. Vous avez satisfait l'intention de Pierre le Grand, population dense. Eh ben super. Est-ce que je lui ai envoyé une... Donc là. Ah, je lui ai pas fait d'ambassade lui. Pareil, j'en ai peut-être pas fait une sur l'Empire arabe. Ok. J'ai cette cavalerie là aussi qui doit rentrer pour être... pour évoluer. Plus 2 ici, c'est pas mal. On va accepter l'ambassade. Alors, une production à Rome. On va faire une école militaire. Sur Aquelia. Peut-être en faire une cavalerie en plus. Sur Erizu, on va faire de l'argent. Aménagement plantation. Ici. J'ai des moutons là après. Ah toi tu peux pas évoluer. D'accord, t'es un chevalier, t'es pas de la cavalerie. D'accord. Bon, du coup tu peux retourner à ta place.
deux niveaux de plus. En fait, j'arrive pas à avoir ses intentions cachées. Augmente la visibilité, hein, pourtant ça. On va continuer, on va voir. Ici, une bibliothèque. Une chose de formuler des hypothèses, mais nous ne passerons aux déductions qu'une fois la réalité des événements confirmée par la balistique. Ok, on a donc la balistique qui est prête. Toi, on a dit que tu allais t'envoyer ici pour travailler sur cette ressource. On va attendre 4 tours, on va faire un... On va la transformer en ranger avant de la faire partir. Libre passage, 11 d'or. Bon, dans la... Dans l'intérêt de bonnes relations, on va accepter. Ich verstore meine Feinde und ob ihnen helft, auch ich. Oh, lui il va m'embêter assez vite, j'ai l'impression. Ok, les Allemands, je sens qu'ils vont être embêtants. D'accord, c'est juste là l'Empire. On a les Russes ici. Ah, eux, ils partent sur la religion, a priori, les Russes. On va essayer d'améliorer un peu le bonheur de la population. Parce que j'ai envie de voir aussi à quoi ça ressemble, cette zone de loisirs. Sur Kirch ici, on va faire la caserne. Ne critiquez jamais un fusillé sans vous être mis à sa place. Ainsi, il sera à la vôtre et vous serez armé. Ok, donc tant que j'y pense, ça veut dire que toi maintenant tu dois pouvoir évoluer vers un ranger. Nickel. Alors, bon, j'ai utilisé pas mal d'argent ces tours-ci par contre pour tout ça. On va se faire ça pour pouvoir avoir l'université d'Oxford. Alors, ça m'oblige à avoir l'astronomie avant. D'accord. Thank you.
Bon, ici, on va continuer un petit peu. On va se faire des remparts. Bon, je n'arrive pas à débloquer son intention cachée. On va essayer de faire un vol d'optimisation de technologie. Ah, ou une obtention de source d'abord. Une erreur classique chez ceux qui tentent de concevoir des systèmes parfaitement infaillibles est de sous-estimer le degré d'astuce des imbéciles. Droit divin. Ah, c'est droit divin qui me donne accès à la monarchie. En théorie, il faudrait que j'avance vers le fascisme. Avec le dogme totalitarisme. C'est ce qui m'aiderait le plus pour ma victoire militaire. J'en ai 8 pour pouvoir l'atteindre. On va commencer par le nationalisme. On va faire l'astronomie d'abord parce que je pense que je vais peut-être faire un casus belli avant. Hop, une plateforme commerciale en plus. Petra est l'exemple parfait du don artistique qu'a l'homme pour transformer une simple caillasse en majestueuse splendeur. Ok, on a donc érigé Petra. Je pense que la prochaine merveille, ce sera à l'université d'Oxford. L'astronomie pousse l'âme à regarder vers le ciel et nous mène d'un monde à l'autre. Inspiration. Un marché ici. Une bibliothèque ici. Et une caserne là. D'accord, il continue de me dénoncer. Où est-ce qu'il va mon bâtisseur? Pourquoi il va par là? J'ai fait une erreur à un moment? Bon, c'est pas grave parce qu'on va peut-être aller là ici. J'ai quelque chose à récupérer que je n'ai pas. La teinture.
Notre peuple est très compétent, certes, mais il a toujours beaucoup à apprendre des autres. Nous devrions peut-être signer un accord de recherche avec l'un de nos voisins. Les assertions invérifiables, les allégations irréfutables, tout cela n'a aucune valeur véridique. Leur seul talent est celui de nous inspirer ou de nous émerveiller. Non, pas forcément d'accord de recherche. Alors, on va débloquer Oxford. L'infanterie est faite. On va avancer sur l'assainissement éventuellement, je pense. Deux quartiers résidentiels. Est-ce que je les ai déjà, les quartiers résidentiels? Et un cuirassé à vapeur. On va avancer vers l'infanterie plutôt. Non. C'est peut-être un dogme, un quartier résidentiel. Bon allez, on avance vers l'infanterie. Il va falloir que j'avance vers l'aviation aussi après. Ok, me voilà arrivé sur la nouvelle terre. On va... Alors, une route commerciale. Avec Rome, sans doute. Mince. Pardon, c'était là. En plus de nous faire profiter de ces richesses, cette route commerciale créera peu à peu des routes entre nos deux villes. Les routes permettent aux unités d'ignorer les pénalités du terrain qu'elles traversent. C'est bien, ça me permet de traverser rapidement tout mon territoire, en fait. Alors, sur Nagano, une banque. Voilà, il faudra faire attention parce qu'ils ont plus d'unités quand même que nous. On va ignorer pour l'instant. Sur Aquila, alors, on a donc la cavalerie en plus. Ah, j'avais aussi une unité là que j'ai pas emmenée.
sur Setia. Ah, j'en ai deux. J'ai une cavalerie que j'ai oublié d'apporter. Et j'ai aussi une légion que j'ai oublié de faire évoluer. Voilà, qui s'est transformé en piqué. Bon, qui va rester là pour l'instant. Sur Antium. Pas là, déjà. On va se mettre ici et faire un plus 1. Allez, puis bah du coup, nous, on va... Vous et moi, nous prenons la route ou le train, mais les économistes ne se déplacent qu'en infrastructure. Il ne faut pas oublier que la politique, le colonialisme, l'impérialisme et la guerre sont aussi nés d'un cerveau humain. On va choisir juste un dogme. Quartier résidentiel, c'est là. Donc ok, il faut que je fasse le nationalisme et après ça j'aurai accès au quartier résidentiel pour avoir l'optimisation de l'autre côté. Allez, puis bah du coup, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Civilization 6 vous aura plu. La prochaine fois, on va attaquer l'Inde. Et on va essayer d'aller prendre assez vite la capitale, notamment. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.